L'objectif du Kenya visant à augmenter les paiements sans liquide a franchi une nouvelle étape cette semaine. La plateforme M-Pesa de Safaricom a franchi 30 millions d'utilisateurs actifs. Cela signifie que presque toute la population adulte du Kenya effectue des transactions sur cette plateforme. M-Pesa, la plateforme de transfert d'argent mobile, a franchi le cap des 30 millions d'utilisateurs au Kenya, soit plus de la moitié de ses clients sur le continent. Le nombre de commerçants acceptant les paiements par le biais de son système a doublé, consolidant ainsi la domination de Safaricom dans les transactions numériques du pays. Avec près de 50 millions d'habitants, la quasi-totalité de la population adulte du pays de l'Afrique de l'Ouest opère sur M-Pesa de Safaricom. Le service est également disponible en Afrique du Sud, en Tanzanie, en République démocratique du Congo, au Mozambique, au Lesotho, au Ghana et en Égypte. De son côté, le géant finlandais Nokia a annoncé la commercialisation de son Nokia 105 en Afrique. Développé en 2013 pour cibler les pays en développement, il possède une version spécifique pour les utilisateurs du continent. Le téléphone fonctionne uniquement sur le réseau téléphonique 2G, encore largement utilisé en Afrique centrale. Au total, Nokia contrôle 9,8% des parts de marché des téléphones standards en Afrique.